Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 3 juin, et oui, comme ça peut se voir, le soleil là, il a laissé des traces. Donc ouais, 2 heures de soleil, ça suffit à vous faire attraper des giga coups de soleil, surtout quand il fait chaud. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, de quoi je peux bien vous parler? Eh bien aujourd'hui, enfin plus précisément, cette semaine va être très chargée, et aujourd'hui on commence directement avec la colle de français. Donc petite, on va dire, mise en jambe avec tout ce qu'il y a sur la semaine. Donc colle de français, colle de maths, colle de physique, DS d'info, 4 heures de DS de physique. Et on rajoute à ça l'exposé de français pour jeudi. Donc, ça fait la semaine la plus chargée sur les quatre qui restent. Vraiment, celle-là, elle va être vraiment super intense. Et je pense que ça va aller de manière décroissante jusqu'à la dernière semaine de l'année. Donc, franchement, celle-ci va être la plus dure à passer. Mais les semaines passent tellement vite qu'on a le temps de rien voir passer. Et ça, c'est assez fou. Petite précision sur le DS anglais, j'avais pas fait, j'ai oublié. En fait, le QCM qu'on avait à remplir, c'était un QCM à points négatifs. Donc, peut-être vous l'avez remarqué sur la miniature, donc ou peut-être vous connaissez déjà le principe. En fait, vous répondez juste à une question, vous avez 3 points, vous répondez faux, vous avez moins 1, et vous répondez rien, vous avez 0. Donc parfois, il vaut mieux rien répondre que mettre des choses. Personnellement, j'avais fait la stratégie de tout répondre, et au final, j'ai regardé combien j'avais eu sur l'entraînement, et sur l'entraînement, j'avais eu 11,6 ou 11,7, et là, j'ai eu 11,5, c'était 11,3 arrondi à 11,5. Donc au final, j'ai eu à peu près la même note, alors je m'attendais à l'avoir beaucoup moins bien réussi, mais bon. Bref, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine c'est une nouvelle semaine où on a eu un week-end de 4 jours pour travailler. Que j'ai travaillé, on va dire, moyen. Pas autant que ce que je pouvais espérer. Je travaillais un peu quand même. Genre tout ce qui est français c'est bouclé. Mais là cette semaine ça va être vraiment pas mal de physique-chimie. Surtout de la physique, on va dire, pour ce dernier DS de l'année pour essayer d'assurer une bonne note pour terminer le semestre de physique-chimie. Mais la semaine prochaine ce sera pareil pour les maths. Et après ce sera pareil pour la SI. Et après ce sera la semaine du conseil de classe déjà. J'espère que pour vous, les révisions du bac, ça se passe bien parce qu'il reste quoi? Il reste 2 semaines. Je sais que les secondes ont déjà fini pour certains, ou il y en a qui finissent vendredi qui arrive. Donc profitez bien de vos vacances, travaillez bien. J'espère que vos vœux pour l'année prochaine se passent bien, c'est-à-dire que vous arrivez à savoir quelle première vous allez demander, parce que je sais que maintenant il y a plein de majeurs, de mineurs. Enfin, je pense que vous êtes beaucoup mieux renseignés que moi là-dessus et que vous arriverez à vous décider. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien. Perso, moi ce soir, ça va être pas mal de physique-chimie. Et des maths, et comme d'habitude, beaucoup de choses. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.